cette année. Et nous allons profiter de ce centenaire pour faire un magasin historique. Trouver le juste équilibre entre l'institutionnel et l'instant présent dans la décoration. Et de trouver des liens entre les anciennes générations et les jeunes générations qui sont clients à l'épicerie. Le chêne qui est présent un peu partout à l'intérieur du mobilier, c'est le côté justement institutionnel, des valeurs sûres, et ce que la maison Cornon voulait communiquer aussi. Le design lumineux dans une épicerie, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. C'est le client qui fait, c'est son œil qui fait la démarche d'avoir envie d'acheter. Et mettre en scène, puisque c'est une mise en scène, c'est compliqué dans un espace qui était quand même réduit. Quand on vous disait qu'il y avait 4000 références, c'était évidemment plutôt le produit à mettre en évidence et surtout pas les matériaux et d'avoir un décor qui absorbe complètement le produit. En tout cas, ça n'aurait pas été une grande réussite.